Exactement, c'est champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Où que je vais vous parler de l'électresse. Ou tout simplement des ailes. Mais avant, jetons-nous dans le vide. Je ne sais pas qu'on va se rendre. Pourquoi l'électresse? Oui, peut-être bien souvent qu'on fait des vidéos sur ça. Mais je vais vous montrer quelque chose, le secret de l'électresse. Et ouais, ceci a un secret bien caché que j'ai trouvé. Est-ce que vous le saviez? Peut-être. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire comment l'avoir. Il faut aller dans l'End, battre le dragon de l'End et ensuite trouver un donjon. J'avoue que moi j'en ai pas trouvé d'électresse, je l'avoue. Bon, je n'ai pas été avec ici. J'ai essayé de plusieurs façons d'aller dans l'End et je n'ai pas réussi. Vous m'enverrez un lien pour la 1.10 si c'est encore faisable faire une porte de l'End. Je ne sais pas. On va y revenir sur ce monde, mais avant, faisons un petit détour dans l'End pour vous montrer le donjon où qu'on peut trouver l'électresse ou l'électra, peu importe les ailes. Ne quittez pas tout de suite parce que au retour de l'End, je vais vous montrer le secret de l'électresse. Comme que j'ai dit, je vais vous montrer le secret. Et oui, il y a un secret bien caché. Je vous laisse dans l'End. Plutôt, commencer pour aller dans l'End. À partir du donjon de l'End. Nous sommes de retour dans l'End. Dans un autre map. Wouhou. On est complètement dans un océan. De ce côté, je vais vous montrer. Il y a le temple sous-marin. De ce côté. Je m'en allais là, je vois... Je lance l'End devant. L'œil de l'End. Puis c'était bien différent. Au lieu de viser par là-bas, il est visé par là-bas, bizarrement. Mais maintenant, on va dans l'End. Ça, c'est le donjon de l'End. J'ai rien fait. Allons-y. Ah! Des petites créatures qui m'ont suivi. Bon. Dans l'End, il faut battre l'Under Dragon. Qui est déjà battu, mais bien en créatif. Ouh. Intéressant quand même, hein. On vous rentre là-dedans. Et voici l'End. Avec ses arbres. Voici ce fameux donjon. Mais j'ai déjà tout pris. Qu'est-ce qu'il y avait? Exemple, si on trouve l'électra ici. Regarde, ici il y avait des coffres. Si on trouve l'électra ici. Un peu. Par où? 1, 2, 3, go! Wouhou! Et je vais dans la bonne direction. C'est fun. Thank you.
Et voilà. Bon, on est de retour. Désolé pour l'ellipse, j'ai eu un téléphone. C'est à peu près ça. Je me demande... Par contre, une affaire que je ne sais pas, c'est s'il y a plus d'un donjon. Ouais. Maintenant, vu qu'on est revenu... un donjon pour aller dans l'End. Donc c'est le donjon du portail de l'End. Je vais l'appeler de même. Ouais. Le donjon du portail de l'End. Maintenant, par contre, on va retourner d'où qu'on venait. On est de retour dans le monde pour vous montrer le secret des ailes. Ouais. Ah, il y a un trou ici. Ah, un trou de un bloc d'auteur. Ok. Oh, wow! Ok, je n'y ai. Et oui, on peut aller là-dedans. On a... Comme vous pouvez voir, ça a juste un bloc de hauteur. Voici que je suis comme debout. Mais on dirait qu'il le voit comme ça, on serait couché. J'ai appris ceci en créatif. Quand j'ai su à quoi ça servait l'électrisme, bien sûr. Je vous donne un petit truc. Regardez au milieu, sinon faites des zigzags comme ça. Ça va être mieux. Pour aller plus vite. Je vais faire ça. Tout en visant au milieu. Et on s'en va dehors. Et voilà. Si vous doutez encore de l'efficacité de ceci, sachez que je vais me mettre en game mode 0. C'est encore plus facile en game mode 0 vu qu'on n'a pas l'option de voler en double cliquant. C'est très bien. Faut attention quand nous sommes créatifs. Et c'est le même principe. Même que vous voyez les coins serrés là. C'est encore plus rapide si on fait juste ça. C'est formidable. Pour pouvoir y accéder, il faut absolument impérativement 3 blocs de haut. Pour pouvoir sauter. Et voilà, vous avez juste à faire ceci pour vous débloquer. C'est magique quand même, hein? Qui aurait pensé à faire ça? Il manque juste être accroupi, tout simplement. Et voilà, on va monter du haut de cette tour pour se suicider. Non, c'est pas vrai. Faut utiliser l'électresse. Bon. Sachez qu'on peut utiliser l'électresse 7 minutes environ. J'espère que vous avez appris quelque chose. Le secret de l'électresse. Faut toujours me suivre sur Facebook, Google+, pour en savoir davantage sur ma chaîne. C'est drôle ça, hein? Il y a le nuage, on dirait que ça continue pas. Mais ça continue! J'ai mis cet effet-là. Et n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant encore. D'autres vidéos vont suivre. Défi Forge, sans aucun dégât. Wouhou! Oh, réussi! Sans aucun dégât. Wouhou! La meilleure façon d'atterrir, c'est sur du lot. Sans peu. Mourir dans d'atroces souffrances, douleurs. Non, c'est pas vrai. On meurt sur le coup. Donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer. Car tout le monde est le bienvenu. Bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ok, le criquet.
aussi qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait pas grand chose, honnêtement j'ai vu plus. Merci les crickets de me soutenir sur ma chaîne YouTube. Juste avant de terminer, sachez que j'ai dit une fausse information. Mais juste avant de dire c'est quoi la fausse information, sachez que c'est dans cette map que j'ai trouvé le comment faire des électres tout simplement en sprintant. Voici un petit chemin, on peut faire des labyrinthes, on peut faire des passages secrets, très secrets, on peut faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on est la journée même, je suis pas supposé, être déjà prêt depuis un certain temps, mais j'ai dû ajouter une information parce que, comme que je l'ai dit, une fausse information. Le donjon que vous avez vu n'est pas le donjon où on peut trouver des électres. Mais bien, un navire peut trouver des électras. C'est comme cela. J'ai dit une fausse information, je voulais absolument me corriger pour pas me faire réprimander, honnêtement. Ce n'est pas le donjon que j'ai trouvé. Le bon donjon pour trouver les électras. Peut-être dans une future mise à jour, ce sera possible d'en trouver un. Mais pour l'instant, on ne trouve pas d'écran dans ceci. C'est plutôt dans les navires. Pour ça, je suis sincèrement désolé. Puis pour ça, je vous dis merci à tous.